Nombreux sont les périls qui menacent en permanence l'homme et son environnement. Conflits armés, guerres et catastrophes naturelles telles que les séismes ou les inondations, la pauvreté et la famine. C'est entre autres grâce au volontariat de simples citoyens et de professionnels spécialisés que ceux qui sont affectés par ces calamités peuvent être secourus. À Washington, tout comme d'ailleurs partout aux États-Unis, il existe de nombreuses organisations de volontaires. Des volontaires qui offrent leur temps et leur service pour voler au secours de ceux qui en ont besoin. C'est le cas de ceux qui collaborent avec The Capital Area Food Bank, une organisation à but non lucratif qui fournit de quoi manger aux familles pauvres de Washington et de ses environs. Je faisais partie d'un groupe qui réunissait dans la région de Washington des volontaires de diverses religions dont la mission était de lutter contre la faim. Et parmi eux, il y avait un prêtre qui avait l'habitude de venir à nos réunions et qui disait toujours « Il n'y a pas de pain dans notre collectivité ». Or, j'avais lu quelque chose à propos d'une banque d'aliments créée en 1979 dans le Maryland. J'ai donc présenté le concept aux membres de notre groupe œcuménique qui l'ont aimé et notre rabbin a dit « Faisons la même chose ». Ainsi est né The Capital Area Food Bank, qui a ouvert ses portes le 15 janvier 1980, ce qui coïncidait avec la date anniversaire de la naissance du dirigeant noir des droits civiques, Martin Luther King. La création de cette banque des aliments intervenait au moment où le gouvernement venait de réduire substantiellement les coupons alimentaires, un programme qui aidait les familles pauvres à acheter des aliments qu'elles ne pouvaient pas s'offrir au prix courant. La banque doit son existence à la générosité et au soutien des organisations à but non lucratif, des volontaires et des donateurs potentiels. 25 ans après sa création, The Capital Area Food Bank a déjà servi plus de 275 000 résidents mal nourris grâce à des programmes tels que le Brown Bag Program USDA. Celui-ci est destiné aux personnes âgées sans grands moyens qui reçoivent chaque mois des produits frais et des denrées non périssables. This is a tremendous help. Cela aide énormément les gens âgés à équilibrer leur budget et en même temps à manger sainement. J'encourage d'autres jeunes et aussi d'autres personnes âgées qui peuvent se déplacer à offrir leur temps et leur assistance. To volunteer their time and services. Avec le désastre tsunami qui a frappé récemment plusieurs pays de l'Asie du Sud et une portion de l'Afrique de l'Est, la générosité américaine s'est montrée au premier plan. Par nature, les Américains sont généreux et savent se mobiliser pour une juste cause. Après le récent désastre du tsunami en Asie et une partie de l'Afrique de l'Est, désastre qui a fait environ 250 000 victimes, la générosité américaine a pu s'exprimer à travers des organisations humanitaires comme World Vision, qui, avec ses employés ou volontaires sur le terrain, fournit une assistance substantielle aux victimes dans les différents pays affectés. Et avec l'ampleur des dégâts causés, l'organisation, dont la première mission vise à venir en aide aux enfants, compte être dans ces pays pour longtemps. By providing critical things such as clean water, en fournissant de l'eau potable, des médicaments, des kits d'hygiène, World Vision a pu éviter des maladies dans les régions visitées. World Vision a plus de 3700 collaborateurs permanents qui vivent dans ces collectivités. Et nous avons pu réagir dans les heures qui ont suivi le tsunami, ce qui nous a permis de sauver bien des vies. Mais il va nous falloir nous concentrer plus particulièrement sur l'eau, les infrastructures et aider les sinistrés à retrouver une vie normale. Au lendemain du raz de marée, les États-Unis ont voulu d'abord évaluer la gravité de la situation avant de déterminer le montant de leur aide, fixé modestement au départ à 35 millions de dollars. Le président Bush, devant l'ampleur de la catastrophe, décuplait cette somme. Et début février, l'assistance américaine s'élevait à près de 1 000 milliards de dollars. Les États-Unis ont également mis à la disposition des pays affectés d'importants moyens militaires. De plus, le président Bush a mobilisé deux de ses prédécesseurs, son père, George Bush Sr. et Bill Clinton, pour encourager les Américains à être généreux. Et ils l'ont été. Churches, temples, mosques. Temples, églises, mosquées, lieux de culte se sont unis pour récolter des secours et de l'argent qui ont fait une grande différence pour nos pays.
Nous sommes un petit pays avec des moyens modestes et ayant vécu aux États-Unis, je peux vous dire que nous avons vu la générosité et le bon cœur dont les Américains et leur gouvernement savent faire preuve dans une situation de crise. Je pense que cette générosité, qui a été unanime, sera perçue d'une façon très positive. Générosité et bénévolat sont deux traits importants de la société américaine. Des organisations telles que la Banque des Aliments de Washington ou World Vision continueront d'exister aussi longtemps que des gens auront faim ou seront dans le besoin à cause de catastrophes telles que le tsunami. Et il y aura toujours des Américains pour financer leurs missions charitables, que ce soit aux États-Unis ou n'importe où, à travers le monde. C'était Atsini Ben Bangura, à Washington.